destroy this temple, Jesus said, and I will rebuild it in 3 days. Yes, he was showing none is greater than me when it comes to construct. Amis et fidèles de www.gospelcross.net, c'est l'émission Conviction qui va encore pour une fois recevoir aujourd'hui le pasteur David Lutuka qui nous reçoit dans la scène de son église. Aujourd'hui, on va continuer avec sa réaction sur les déclarations du révérend Baruti. Et aujourd'hui, on va faire une analyse des déclarations du frère Joseph Branham dans le préliminaire du 23 septembre 2017. Bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour, mon bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Après avoir réagi sur les propos du révérend pasteur Baruti, veuillez nous dire, qu'est-ce que frère Joseph avait réellement dit dans ses préliminaires? Ok, frère Joseph Branham, actuellement pasteur du Branham Tabernacle, il a l'habitude, comme il le dit souvent lui-même, que le plus grand honneur pour lui, c'est de préparer les gens à écouter la voix du prophète. Ce qui est pour lui, selon la parole de Dieu, la volonté parfaite pour aujourd'hui. Parce que si vous lisez dans Apocalypse chapitre 10, il est là-bas, mais qu'au jour de la voix du septième ange. La Bible ne dit pas, mais qu'au jour du septième ange. C'est une précision qui échappe à beaucoup de gens que le frère Joseph Branham, en tant que prophète, il est venu nous révéler cela. Ok? Alors, comme d'habitude au Branham Tabernacle, avant de mettre la bande, il introduit le prophète, il donne un peu quelques commentaires en tant que prédicateur de la parole, il résume le message ou que les gens vont écouter ce jour-là. C'est ce qu'il fait chaque fois depuis qu'il est devenu pasteur au Branham Tabernacle. Ce qui est contraire à la façon dont nous voyons beaucoup de frères qui prétendent aussi, entre guillemets, croire au ministère des bandes, ne le font pas. Mais lui, en tant qu'Éphésiens 4, en tant que prédicateur de l'Évangile, il commence d'abord par résumer, introduire le prophète. Et quand il parle, vous remarquerez souvent, il reste dans le sujet de ce que la bande va développer. C'est ainsi, quand il fait cela, ça nous intéresse tellement parce qu'en tant que prophète, il ne peut que répéter ce que l'autre prophète avait dit. C'est ainsi, dans de telles occasions, il parle, il fait des déclarations en rapport avec ce que les enfants de Dieu au Branham Tabernacle vont écouter dans la bande. C'est ainsi un jour, parmi les jours proclamés au Branham Tabernacle pour écouter la prédication, ils avaient préparé une prédication intitulée « Poussé à bout ». C'est ce qui devait être écouté le 3 septembre 2017. Et dans sa préambule, comme d'habitude, il va introduire les prophètes et c'est là qu'il fera certaines déclarations qui va bouleverser le monde entier, qui va faire agiter, entre guillemets, le ministre du message. Moi, je ne sais pas le pourquoi. Ils ont été agités, parce que pour moi, c'est un prophète qui avait parlé. Alors, dans ces déclarations, je peux déjà énumérer cela. Je prends par exemple, parce que nous, on nous a envoyé ça, comme nous surveillons de près le quartier général, ce qui se fait là-bas. On nous a envoyé ça par deux frères qui sont là-bas aux États-Unis. Ils ont traduit ça en français pour nous. C'est les préliminaires du. C'est les déclarations de frère Joseph faites le 3 septembre 2017. Je suis à la page 4 où frère Joseph commence par dire, par exemple, il dit : Laissez-moi dire autre chose. Chaque église dans ce message. Si vous proclamez croire ce message, que vous le vouliez ou non, vous êtes une église de bande. Ça, c'est une déclaration qui a chopé ou dérangé les gens.
Si vous croyez ce message, vous êtes une église de bande. Il ne peut en être autrement. Vous êtes une église de bande. Nous sommes une église, nous sommes une véritable église de bande. Amen. Gloire à Dieu. Il nous parle aussi, ça c'est la première déclaration, il a montré que vous voulez ou pas, du fait seulement que vous déclarez être une église du message, notez-le que vous êtes une église de bande. Donc vous devez de temps en temps mettre la bande à l'église. Ça c'est parmi les déclarations qu'il a faites. Autre déclaration, il a dit... Il nous parle aussi de la manière d'être du véritable ministre quintuple. Éphésiens 4, 11. Oui, duquel je crois par la grâce de Dieu faire partie. Je le crois. Je crois dans un véritable ministère quintuple. Il doit y en avoir un. Il y a des hommes de Dieu avec des véritables appels de Dieu dans leur vie. Ils croient ce message de tout leur cœur. Ils prêchent ce message de tout leur cœur. Ils le croient. Ils croient que ce message est l'absolu. Le véritable ministre doit croire que ce message est l'absolu. Ce message du temps de la fin. Il vient de dire que c'était le signe qui est le Saint-Esprit. C'est ce message. Aussi, il doit être votre absolu. Mais ils doivent saisir la vision pour jouer les bandes. Vous voyez? Donc, deuxième déclaration, et il continue d'ailleurs, excusez-moi, il continue de dire, vous devez les faire. Amen. Elles sont les signes. Amen. Vous voyez? Deuxième déclaration, il montre que il y a des gens qui ont le vrai appel dans leur vie, ils croient, ils se mettent tout leur cœur, ils croient que William Branham est l'air absolu. Tout ce qu'il dit, c'est ainsi le Seigneur. Branham dit, c'est bien. Mais vous devez saisir la vision pour ajouter dans cette position-là que vous avez l'écoute de bande dans vos églises. Ça, c'est parmi les déclarations encore qui a fait couler beaucoup d'encre sur les gens ou sur le coin du message. Après, il continue, il dit, bon, quand vous dites ça, donc, il prend la place des autres, il dit, quand vous dites ça, ceci va amener beaucoup de controverses et le diable m'a combattu avec ceci. Vous savez, quand ils disent, vous devez croire les ministères quintuples, ils vous jettent dans un gros seau. Vous devez croire les ministères quintuples. J'y crois, mais il y a les vrais et les faux dans tout. Les gens lui reprochent que, oh non, Joseph Branham ne croit pas aux Éphésiens 4, ne croit pas au ministère quintuple. Il dit non, je crois parce que je fais partie moi-même là-dedans. Mais dans toutes les choses, il y a les vrais et il y a aussi les faux. C'est ainsi, il continue en disant, il y a un vrai quintuple et un faux quintuple. Si je crois, tu dois croire au ministère quintuple. Mais il commence à énumérer les faux. Quelques prédicateurs croient que nous sommes dans le millénium et prêchent que nous sommes dans le millénium maintenant même. Nous vivons dans le millénium. Jésus est venu quand les seaux ont été ouverts et ceci, tout ceci. Et ils ont une doctrine. Voyez? Il y en a qui croient qui sont mariés et divorcés et prêchent encore le message de l'heure. Ici, c'est un exemple. Quelqu'un peut dire, par exemple, il dit, je peux avoir une autre femme. Le Seigneur me pardonne. Et ne le croyez pas. Il les prêche. Et ils disent qu'ils prêchent ce message. Il y en a qui prêchent la doctrine des parousies. Ça, c'est le révérend Koukouré qui prêche souvent ça. Il dit, vous avez entendu le mot parousie. Beaucoup de ministres prêchent ça. Certains prêchent les sept tonnerres. La doctrine des sept tonnerres. Écoutez, ils prennent ce que Frère Branham a dit et ça devient une doctrine parmi les églises. C'est ce qui a amené le révérend Barouti à dire que Joseph Branham ne croit pas aux sept tonnerres. Non.
Il condamne ceux qui prennent les déclarations de frère Branham sous les sept tonnets et en font leur doctrine à eux. Ce qui n'est pas le message de frère Branham. Il continue. Il y a beaucoup de prédicateurs du quintuple, docteurs, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes qui prêchent cette doctrine. Il continue encore. Il y en a plusieurs qui prêchent la polygamie. Vous avez remarqué, nous allons toucher les déclarations de Béka. Ce n'est pas ce que Joseph Branham a dit. Joseph Branham est précis. Il y en a, comme je vous avais dit, que nous allons lire Joseph Branham lui-même. Il y en a plusieurs qui prêchent la polygamie. C'est répandu en Afrique. Pour les frères en Afrique et ici, c'est toute une affaire en Afrique. Ce qu'il dit est vrai. C'est ce qui se fait aujourd'hui en Afrique. Presque tout le monde nous croit la polygamie. Ici, chez nous en RDC, presque tous les anciens du message, à part Dioka, lui ne croit pas à la polygamie. Vous prenez les révérends Bibidi là, il croit à la polygamie. Que l'homme peut avoir autant de femmes qu'il veut. Les révérends Baruti, vous avez entendu lui-même parler, il croit que l'homme peut avoir plusieurs femmes. Kassambakala, n'en parlons même pas. Le révérend Mobonga, lui aussi, croit que l'homme peut avoir autant de femmes. C'est connu maintenant, ce n'est plus quelque chose qui est caché, non. Presque tous ces vieux-là prêchent ça. Mais Joseph Branham a condamné ça. Et il classe tous ceux qui prêchent ça du côté des faux Éphésiens 4. Ce qui a fait agiter les gens. Selon le pasteur Kassambakala, qui lit le prophète Branham et qui dit que le prophète Branham a permis qu'un homme puisse prendre beaucoup de femmes, c'est-à-dire plus d'une femme. Et est-ce qu'un prophète peut contredire un autre? Merci beaucoup pour cette question-là. Avant que je puisse répondre à ça, c'est d'abord ça le problème aussi. Les gens ne maîtrisent pas la notion du ministère prophétique. Quand nous parlons des prophètes, on ne doit pas les confondre avec les dons des prophéties. Frère Branham lui-même nous donne la différence entre les dons de la prophétie et un prophète. Je suis dans COD, première partie, question-réponse sur le Saint-Esprit, page 435, paragraphe 129. Écoutez, Frère Branham. Or, il y a une différence entre une prophétie et un prophète. La prophétie va de l'un à l'autre. Donc, une personne qui a les dons des prophéties peut avoir ça aujourd'hui. Lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, Dieu peut donner ces dons-là aujourd'hui. Ça peut faire une semaine chez lui, ça peut faire deux semaines, une année, trois mois, quatre mois, et demain, cela lui quitte. Sans problème. Pour Dieu, le temps pour ces dons-là de travailler avec lui et en lui est déjà terminé. Vous voyez? La prophétie va de l'un à l'autre. Mais un prophète est prophète de naissance. Dès les berceaux. Joseph Branham est né prophète. William Branham est né prophète. Jérémie est né prophète. Ça, c'est le ministère prophétique. Ils ont ainsi dit le Seigneur. Eux, pas question de les juger. On ne juge pas et on ne juge pas celui qui a le ministère prophétique. On ne le juge pas. Vous ne le voyez pas en présence d'Ésaïe, de Jérémie ou d'aucun de ses prophètes. Parce que ils avaient ainsi dit le Seigneur. Par contre, un esprit de prophétie parmi les gens, ça, il faut surveiller ça. Parce que Satan va s'y infiltrer. Voyez? Bon, mais il faut que ce soit jugé. En COD toujours, page 824, question-réponse numéro 2, 64, Frère Branham dit ceci au paragraphe 52. Un voyant dans la Bible, c'était un homme qui pouvait annoncer quelque chose d'avance. Et c'était parfaitement exact. Non pas quelqu'un à qui on impose le main. Ça, c'est un don. Un prophète est prédestiné.
Et il est né pour être prophète. Je souligne ça. Il est né pour être prophète. Branham est né pour être prophète. Joseph Branham est né pour être prophète. Voyez, c'était un prophète pendant toute la durée de sa vie. Ça, c'est une fonction. Voilà la différence. Une autre citation très capitale, c'est l'enlèvement. Prêchez le 4 décembre 65. Écoutez, paragraphe 34. Maintenant, souvenez-vous que la parole du Seigneur vient au prophète, pas au théologien, au prophète. Il est un réflecteur de la parole de Dieu. Il ne peut rien dire. Il ne peut pas dire ses propres pensées. Pourquoi? C'est un prophète. Il peut seulement dire ce que Dieu révèle. Même le prophète Balaam, lorsqu'il essaya de vendre ses droits, dit, comment un prophète peut-il dire quelque chose que Dieu n'ait pas mis dans sa bouche? C'est une chose que Dieu fait, qui vous empêche de dire quelque chose d'autre. Vous êtes né ainsi. Donc, un prophète est né de façon à ne pas dire ses propres paroles. Joseph Branham est né de façon à ne pas dire ses propres paroles. William Branham est né de façon à ne pas dire ses propres paroles. Habakkuk est né de façon à ne pas dire ses propres paroles. Vous voyez, ils ont les ainsi dit le Seigneur de façon ininterrompue. C'est pour nous montrer qu'un prophète, on ne joue pas avec lui. Un prophète, on ne joue pas avec lui. Est-ce qu'un prophète, quand il reçoit les visions, ses visions éclairent l'écriture? Oui. Là, les gens ne comprennent pas. Je vais vous donner une différence entre un don de prophétie et un prophète. Donc, peut-être les gens pensent que Joseph Branham maintenant a les dons de prophétie. Non. Joseph Branham, c'est un prophète à part entière. Et maintenant, laissons les dons de prophétie. Parlons maintenant du prophète. Quand nous parlons du prophète, là aussi, il faut que les gens puissent comprendre une chose. Nous avons trois sortes de prophètes ou trois sortes de ministères prophétiques. Quand nous parlons des prophètes, nous avons celui qu'on appelle prophète mineur. Nous avons aussi celui qu'on appelle prophète majeur. Nous avons aussi celui qu'on appelle prophète Dieu. Donc, Dieu, prophète. Dans l'Ancien Testament, par exemple, quand on parle de prophète Dieu, nous voyons par exemple l'homme de Sodome. C'était Dieu, prophète. Les prophètes majeurs, par exemple, Moïse, Élie, Élisée, Ézéchiel, Daniel, ainsi de suite. Prophète mineur, par exemple, Malachi. Mais il a écrit la Bible. Quand même, il était prophète mineur. Mais il était prophète à part entière. Il a écrit la Bible. Osée, Habakkuk, Agée, Nahum. Vous voyez un peu ça. Mais ils ont quand même écrit la Bible. Même Amos était prophète mineur. Regardez par exemple, il dit dans Amos 3:7, Dieu ne fait rien s'il n'a pas encore révélé son secret à les prophètes. Rentrons au temps d'Élie. Avant que Élisée prenne la place d'Élie, qui a réagi contre Acab? C'était Michée, un prophète mineur. Mais regardez, bien qu'il était prophète mineur, mais il avait néanmoins la volonté parfaite pour ce temps-là. Pourquoi? Parce que frère Branham dit que vous soyez mineur ou majeur, vous avez l'ainsi dit le Seigneur. C'est frère Branham qui le dit dans la voix d'un vrai prophète prêché le 3 mai 62. Écoute ce qu'il dit un peu ici, faisant allusion à Amos. Quand Branham voulait apporter cette prédication, la voix d'un vrai prophète de Dieu, l'exemple ou le soubassement que Branham a considéré pour parler de la voix d'un vrai prophète, il a pris l'exemple d'Amos. Mais regarde ce qu'il dit. Paragraphe 86. Maintenant, traduction Canada. Maintenant, Amos était le prophète de Dieu. Écoutez, un vrai prophète. Quiconque a déjà lu l'histoire d'Amos connaît la hardiesse de cet homme de Dieu qui n'avait peur de rien. On les considère comme un des prophètes mineurs
Pourquoi on le conseille comme mineur? Ben, dans la raison, parce qu'il n'est pas resté très longtemps, mais il a vraiment mis la cognée à la racine de l'arbre. Il a été un des prophètes les plus intrépides et il est venu avec l'onction, il est venu avec l'insigne du Seigneur. Il savait de quoi il parlait parce que l'onction de Dieu était sur lui pour leur apporter l'interprétation juste de la parole de Dieu. Écoutez la précision. Quand bien même Amos était prophète mineur, mais que dit la parole? Il savait de quoi il parlait. Il est venu avec l'insigne du Seigneur. Il savait de quoi il parlait parce que l'onction de Dieu était sur lui pour leur apporter l'interprétation juste de la parole de Dieu. Donc, un prophète, qu'il soit mineur, majeur, il a les ainsi dit le Seigneur. Il a la bonne compréhension. C'est ainsi qu'il soit mineur ou majeur, il ne peut pas contredire les prophètes précédents. Lisez la Bible. La Bible n'est pas seulement écrite par les prophètes majeurs. La Bible est écrite par les prophètes mineurs et les prophètes majeurs. Et nous avons 66 livres. Mais là, remarquez. Frère Bana me dit, remarquez, il y a eu des fois, d'autres prophètes, ils sont venus à l'espace des centaines de siècles d'années. Mais quand celui-là venait après, il n'a jamais contredit les premiers. Regardez, Élie était majeur. Il a parlé que les chiens vont lécher le sang d'Akab. Mais quand le mineur Michel est venu, il n'a pas contredit. Il a rejoint. Au contraire, lui a donné encore plus d'informations comment le roi Akab va mourir. Comment un prophète, mineur ou pas, je ne parle pas des dons. J'ai déjà montré la différence entre les dons et un ministère prophétique. Comment maintenant un prophète, a dit William Branham, peut-il se tenir là et nier ce que l'autre prophète a dit? C'est lui qui a dit que Joseph Branham est un prophète. Ce n'est pas la tante de William Branham. Ce n'est pas l'oncle de William Branham. Ce n'est pas sa nièce, ni son grand-parent. C'était Dieu. C'est ainsi Branham, quand il nous rappelait ça, j'ai lu ça dans l'émission précédente. Oh Dieu, tu y as parlé. Et tu as dit, Joseph, mon fils, tu es prophète. Donc, Joseph a déjà été confirmé comme prophète dès son bas âge. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un venir nous faire confirmer ça. Alors, là, à ce niveau-là, c'est indiscutable. Alors, si Joseph est un prophète, selon la citation de Frère Branham ici, comment Joseph, un prophète, peut-il se tenir là, au Branham Tabernacle, et nier ce que Branham, le précédent prophète, a dit? Comme Joseph Branham est un prophète, il ne peut pas contredire William Branham. C'est faux et archi faux. Ça ferait de Joseph Branham un faux prophète. Mais je vous dis, il est un vrai prophète. Donc si vous voyez Joseph dire quelque chose, sachez que c'est vous qui êtes à côté, pas Joseph. Les six buts de la visite de Gabriel à Daniel, prêché le 30 juillet 61, paragraphe 27, écoutez. Et un vrai prophète, Joseph Branham est un vrai prophète, et un vrai prophète ne s'écartera jamais de ce que l'autre prophète a dit. Et si je remplace X par sa valeur ici, et Joseph Branham ne s'écartera jamais de ce que Branham a dit, en se référant à cette citation. Parce que moi, je suis scriptureur. Ils ne feront jamais dire à la parole quelque chose qu'elle ne dit pas. Ils diront exactement ce que le vrai prophète a dit. Écoutez, Branham. C'est ce qui fait qu'ils sont prophètes. Donc, Joseph Branham nous fera dire exactement ce que Branham a dit. Il ne s'écartera jamais. Et c'est ce qui fait que Joseph soit réellement prophète. Troisième citation. Christ est révélé dans sa propre parole, prêché le 22 août 65, paragraphe 61.
Il n'y a pas un seul prophète qui ait jamais contredit l'autre prophète. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Il n'y a jamais eu un tel prophète. Quand vous voyez quelqu'un qui s'autoproclame prophète et commence à s'opposer à William Branham aujourd'hui, c'est un faux prophète. C'est un faux Éphésiens 4. Chacun d'eux était parfait. Et s'il arrivait que quelqu'un se levait et se mette à prophétiser, le vrai prophète s'est levé, alléluia, et les réprimandait sévèrement. C'est ça que Job m'a fait dans la préambule. Il a vu de faux Éphésiens 4 qui se sont levés pour dire n'importe quoi. Et il a pris la parole dans sa préambule, il les a réprimandés et voilà comment ils sont agités. Hébreux chapitre 3, prêché le 1er septembre 57, paragraphe 189. Voyez-vous, chacun de ces prophètes savait exactement ce que l'autre prophète avait dit. Joseph Branham savait, sait exactement ce que Branham a dit dans le band. Et savait que leur esprit était le même. D'ailleurs, lui en a même à double portion. Et il veillait. Ce n'est pas un verset qui veille sur la parole dans un âge. Non. Quand un prophète précédent vient, il proclame son message, il part. Celui qui vient après lui veiller sur la parole, ce n'est pas un Éphésiens 4, c'est un autre prophète qui peut veiller de ce message-là. Et il veillait. Oh mon frère, oh j'aime cela. Voilà ce que Branham aimait. Et si vous n'aimez pas ça, vous n'avez pas le même esprit que William Branham. Cela devrait nous secouer et mettre fin à notre inquiétude. Frère, on ne doit plus s'inquiéter après William Branham pour savoir on est dans les vrais ou dans les faux. C'est facile parce que Branham avait dit lui-même, après lui, c'est son fils Joseph qui fera briller la lumière. C'est Joseph. Et comment nous fait briller-t-il la lumière? En nous guidant, en nous fixant, en nous positionnant, que pour reconnaître le faux, voilà comment le faux parle, voilà comment le vrai parle. C'est simple. Il continue. Leurs yeux étaient fixés non pas sur ce que les gens disaient, mais sur ce que le prophète avait dit. Chacun d'eux veillait. C'est clair? Donc, vous comprenez, si nous retournons dans les préliminaires, mon frère, sur base de ces déclarations-là que nous venons de lire avec toi, nous avons lu les prophètes, un prophète ne peut au grand jamais contredire un autre prophète. J'en profite aussi pour vous poser une question. Pourquoi le frère Joseph Branham peut faire des déclarations pareilles? Et il les a fait en qualité de qui? C'est juste ce que je dis là. Il le fait en tant que prophète. C'est ça le désordre que les gens ont toujours connu dans un âge. Frère Branham me dit, un prophète vient toujours à la fin de l'âge pour réprimander ceux qui ont commencé à dévier. Regardez quand Jésus était sur la terre. Il a laissé les disciples. Ils ont continué avec le message. Parce que Dieu ne fait rien s'il n'a pas encore révélé son secret à serviteur, le prophète. Jésus est venu, il a révélé la volonté de l'heure. Il est parti, il a laissé la parole aux apôtres. Mais remarquez, à un moment donné, ils ont commencé à dévier. Dieu a envoyé Paul en tant que prophète. Il est venu la réprimander, il a ramené les gens sur le droit chemin. C'est ainsi, vous voyez, Paul réprimander Pierre. Ça a toujours été ainsi. Quand le prophète précédent part, après lui, les gens forment des dénominations autour de ça. Et ils entrent tous dans le chaos. C'est ainsi que Dieu est censé susciter un autre prophète pour réprimander et ramener les gens sur le droit chemin. C'est ainsi que Joseph Branham est venu. Joseph Branham est venu nous recadrer dans la parole. Les gens ne savaient pas comment continuer après William Branham. Les gens n'ont pas le plan. Les plans ont toujours été
donnée, révélée par le prophète. Peu importe la quantité de l'onction que vous avez. David avait une quantité d'onction. Il venait fraîchement d'avoir des expériences authentiques avec le Seigneur. Il venait fraîchement de recevoir l'onction royale. Mais remarquez, il s'y prit mal. Il est allé amener quelqu'un à mourir parce qu'il n'a pas pu consulter le prophète. Il s'est contenté de ses expériences. Oh, Dieu m'a dit, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Alors qu'il y avait un prophète. Lui, parce que Samuel venait de partir, c'était terminé. Alors qu'il y avait un Nathan qui avait pris la place de Samuel. Au lieu de le consulter, non, c'est là qu'il a rendu un service totalement en dehors de sa volonté. Quand Dieu traite avec un prophète et que celui-ci part, Dieu continue avec un autre prophète. Et c'est celui qui a le plan, c'est celui qui a le programme, c'est celui qui sait comment faire les choses. Par exemple, aujourd'hui, Joseph Panam est venu, il nous a montré comment faire les choses. Qui obéit à ça? Qui écoute ça? C'est parce qu'ils ne connaissent pas qui est Joseph. Donc, dans un âge donné, pour connaître la volonté parfaite de Dieu, c'est un prophète qui doit venir vous révéler ça. Et c'est alors que il n'y en a que des docteurs, des vrais docteurs, qui saisiront les vrais prophètes pour pouvoir maintenant détailler la pensée du prophète aux gens. Et les apôtres pourront maintenant prendre ça pour véhiculer ça à travers le monde et faire atteindre ça aux pasteurs. Et les pasteurs faire descendre ça encore au niveau des évangélistes pour que eux, avec ça, qu'ils puissent aller aussi gagner des âmes. Actuellement, Joseph Branham, le prophète, il a parlé en qualité de prophète. Et en tant que prophète, Branham dit, les prophètes n'évangélisent pas comme les autres ministres. Le prophète ne perd pas son temps avec les églises. D'ailleurs, il est dans les retraits. Branham a fait plus l'œuvre d'un évangéliste, mais celui qui est dans la volonté parfaite et prophétique, c'est Joseph Branham. Frère Branham lui-même a dit que non, je ne fais que combiner des offices, l'évangélisation et les prophétiques. Branham dit, ça n'a jamais été la volonté parfaite. Parce que si tel est le cas, je dois quitter le champ missionnaire. C'est ce qui a amené beaucoup à mal comprendre les ministères prophétiques pour dire que non, alors si Joseph est un prophète, pourquoi il ne fait pas de campagne? Pourquoi? Oh, chaque prophète a une mission bien déterminée. Après William Branham, comment faire marcher les choses? Regardez au prophète. C'est lui qui doit nous révéler comment et quand faire certaines choses. Je sais pendant maintenant, après, il vient, il dit quoi? Il dit, maintenant, c'est le temps où on doit plus écouter les bandes, faire écouter les bandes aux enfants de Dieu dans nos églises. Mais un homme de Dieu est venu insulter, c'est dit que non, dire ça, c'est amener les gens au spiritisme. Il y a des citations qui disent le contraire. Vous voyez? Donc, vous voyez que Joseph Branham, en tant que prophète, je vous ai fait lire, on a lu ensemble avec toi, et ceux qui nous ont suivis n'ont rien à dire contre ça. Un prophète ne dira jamais ce que le premier prophète a. Non, ne dira jamais contre ce que le premier avait dit. Il répétera exactement. Et Frère Branham dit, il n'y a que lui qui comprend exactement ce que l'autre prophète a dit. Alors, non, soyons conséquents, mes frères. Joseph Branham vient, il condamne la polygamie. Qui est maintenant à côté? Si nous attardons ces mains là-dessus, il condamne la polygamie. C'est que celui qui prêche la polygamie, c'est lui qui est à côté. Et ne s'arrête pas là. Il dit, si vous voulez reconnaître un faux Éphésiens 4, ce sont ceux-là qui prêchent et qui pratiquent la polygamie. Et moi, je n'ai pas peur de dire ça. Le prophète de la bouche autorisée m'a déjà donné le ton. Avant, nous tâtonnions. On pouvait tâtonner, celui-là, il est faux, il est vrai. Non, aujourd'hui, j'ai la précision du ciel. Devant moi, celui qui prêche la polygamie, c'est un faux Éphésiens 4. C'est lui qui prêche que Jésus est déjà venu en 63. C'est un faux Éphésiens 4. C'est lui qui prêche les sept tonnerres à sa manière. C'est un faux Éphésiens 4. C'est lui qui prêche la parousie à sa façon. C'est aussi un faux Éphésiens 4. C'est Branham qui l'a dit. Et il a même dit là-bas, parce qu'on n'a pas lu toutes les déclarations, il a dit aussi, des faux Éphésiens 4 disent aussi que ici, dans les messages, il y a des erreurs. Dans le message, il n'y a pas d'erreur.
je viens de vous faire lire ici. Frère Bana me dit qu'un prophète, Dieu l'a créé de façon à ne pas dire ses propres pensées. Je pèse les mots. Les gens blaguent avec les négociations de Frère Bana. Hein. Écoutez, un prophète, Dieu l'a façonné de ne pas dire ses propres pensées. Vous me direz, ah, pasteur, maintenant, que direz-vous quand Branham a dit que les cavaliers du cheval blanc, c'était le Saint-Esprit? N'est-ce pas une erreur? Oui, c'est une erreur. Donc, ce n'était pas Dieu qui avait dit ça. Non, c'est Dieu qui avait dit ça. C'est Dieu qui avait commis cette erreur-là, dans les prophètes. Est-ce que Dieu commet aussi des erreurs? Oui, monsieur, Dieu commet des erreurs. Ça, c'est fort, hein? Ah, comment ça? Mais lisez la Bible. Dieu allait commettre une grosse erreur au temps de Moïse. C'est Dieu qui avait dit à Moïse de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener à la terre promise. C'est le même Dieu, à un moment donné, Dieu va se fatiguer de l'incrédulité du peuple. Il va dire à Moïse, allez, je change d'avis. Maintenant, je vais tuer tous ces peuples-là. Comme ça, je prendrai seulement toi et ta descendance pour les faire entrer dans la terre promise. Mais Moïse a reproché Dieu. Donc Dieu peut commettre des erreurs. Moïse a dit, ne commets pas cette erreur-là. Sinon, les gens diront ça. Ils vont se moquer de toi. Ne faites pas ça. Et Dieu est revenu. Dieu s'est repenti de ce que Moïse lui avait reproché. Prenez frère Branham. Un jour, Branham était dans son église. Il y avait des jeunes frères. Il y avait un jeune frère et une jeune fille, une jeune fille dans l'église qui s'embrassaient pendant la prédication. Branham les a regardés comme ça. La voix de Dieu a dit à Branham, dis seulement un mot, je vais réagir. S'il faut que je le frappe à l'instant même, dis seulement un mot. Branham a dit, non, Dieu, je ne veux pas t'écouter. Ce que toi dis là, moi je n'écoute pas ça. Il dit, moi, je le pardonne. Donc, Branham a corrigé Dieu. Donc, Branham a l'amour plus que Dieu. C'est ça que les gens ne comprenaient pas. Dieu, à son niveau, les erreurs de Dieu nous servent de tremplin. Un autre exemple. Frère Branham dit, la vie des prophètes, c'est la parole de Dieu. Quand David commettait l'adultère, c'est Dieu qui commettait l'adultère en David, vrai ou faux? Quand Jonas fouillait loin de la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit en lui qui fouillait loin de la présence de Dieu. Vrai ou faux? Tout ce que les prophètes faisaient tout au long de l'Ancien Testament, c'est Dieu en lui qui faisait ça. Samson allait épouser une femme étrangère. Lisez la Bible. La Bible dit, il était poussé par le Saint-Esprit. Un jour, alors que Samuel voulait aller oindre, Dieu avait dit à Samuel, va oindre mon serviteur David que j'ai choisi. Samuel a eu peur. Si je vais là-bas, il y a risque qu'on puisse me tuer par Saul s'il apprenait ça. Dieu lui a dit, quand tu iras là-bas, dis, ne dis pas que tu vas oindre David. Donc Dieu lui a dit d'aller mentir. Quand Dieu vous dit d'aller mentir, ces mensonges-là, c'est ainsi dit le Seigneur. Quand Branham allait pour chasser, Dieu lui disait, ne dis pas que tu vas chasser. Ne dis pas que tu vas prier. En réalité, Branham n'allait pas pour chasser. Il allait pour la prière, pour ses consécrations. Mais Dieu lui dit, si vous demandez jamais, tu vas où dit, je vais à la chasse. C'est Dieu qui était derrière ça. Donc, attention de considérer quelque chose comme étant faux pendant que Dieu voit ça vrai. Donc, un prophète, sur base de la citation que je viens de vous lire ici dans l'enlèvement, est conçu de façon à ne pas dire ses propres paroles. C'est sur base de ça, cette citation-là, que Joseph Branham, lui qui comprend mieux le prophète, lui qui comprend exactement ce que Branham dit, il viendra nous dire aujourd'hui que tout
ce que Branham a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Y compris quand Branham a dit, le cavalier montant le cheval blanc était le Saint-Esprit. Pour Joseph Branham, c'est ainsi dit le Seigneur. Pourquoi un prophète est fait à ne pas dire ses propres paroles? Qui comprenait ça? Qui savait que c'était comme ça? Personne. Mais qui est venu soulever ça? Joseph Branham. Qui dans ces messages ici comprend que l'erreur, quand Branham disait les cavaliers montant les cheval blanc, était le Saint-Esprit? Qui savait que c'est ça aussi, c'était ainsi dit le Seigneur? Qui savait ça? On ne joue pas avec un prophète. Tout ce que le prophète dit, même qu'il dit, c'est ainsi dit le Seigneur. On ne joue pas avec ça. C'est ainsi, mon frère, Joseph Branham, ses erreurs, ses déclarations, ses opinions, tout ce qu'il fait, c'est ainsi le Seigneur. Alors, si c'est ainsi le Seigneur, c'est plutôt à ceux qui prêchent ces doctrines-là qui doivent revoir leur doctrine. Ce n'est pas Joseph Branham. Maintenant, regardez maintenant, parmi les gens qui prêchent les choses que Joseph a condamnées, l'un d'eux a le courage de dire que Dieu va frapper Joseph Branham. Frapper les prophètes. Joseph Branham n'est pas contre le mariage divorce. Nous aurons le temps d'expliquer ça. Joseph Branham n'est pas contre le mariage divorce. Joseph Branham est contre la polygamie. Parce que Branham est contre la polygamie. Branham dit la polygamie, c'est la vie des souillis. C'est la vie du péché. Et il est allé même dire que dans une église où un pasteur est polygame, Branham dit, boutez-moi celui-là dehors. Joseph Branham vient, il répète la même chose. Et confond le mariage et la polygamie. Le mariage, c'est autre chose. La polygamie aussi, ça n'est aussi une autre. Vous voyez? Alors, par exemple, un des vieux grands serviteurs de Dieu de la RDC dit que mettre les coups de bande à l'église après William Branham, c'est du spiritisme. Pendant que frère Joseph, il dit, au contraire, si vous vous déclarez être une église du message de frère Branham, d'office, vous êtes une église de bande. Maintenant, sur base de la fondation que nous avons déjà posée, qu'un prophète ne peut pas dire des choses contredisant l'autre prophète, qui a raison? Le vieux Beka ou Joseph Branham? Lisons maintenant frère Branham. Frère Beka dit que mettre les coups de bande à l'église après William Branham parce qu'il est déjà mort, c'est du spiritisme. Joseph Branham dit non, d'ailleurs, c'est ça la volonté de l'air. Qui a raison? Lisons les prophètes. Je suis dans CO2, page 786. Question réponse numéro 1, 64. Paragraphe 201. Frère Branham, si vous remontez même au paragraphe 200, il est en train de parler en rapport avec la révélation qu'il a eue sur le mariage et le divorce, qu'il sentait faire une bande pour ça. C'est ainsi, je prends juste l'essentiel. Il dit, je veux faire une bande pour que si jamais il m'arrive quelque chose, les frères puissent alors la passer après mon départ, vous voyez, aux églises. Maintenant, frère, soyons honnêtes et sincères. Le pasteur Baruch, pour lui, c'est une initiative de Joseph Branham d'insister de mettre le band dans les églises. Et lui dit que c'est du spiritisme. Il a eu ça où? Qui lui a inspiré ça? Maintenant, entre Joseph Branham et le pasteur Baruch, qui a raison, qui a tort? Vous ne voyez pas que ça confirme que Joseph Branham répète William Branham ne s'est jamais écarté? Sinon, on dira quoi ici? S'il m'arrive quelque chose, les frères puissent alors la passer après mon départ.
vous voyez, aux églises. Donc, la commission ou la recommandation de faire écouter les bandes aux gens dans l'église après que lui serait parti, ça ne vient pas de l'enfer. C'est ainsi dit le Seigneur. Quand quelqu'un ne fait pas ça, il n'est pas courant du message, il ne croit pas William Branham. Deuxième citation. Question-réponse sous le sceau. Paragraphe 32. Vous voyez, les bandes, c'est un ministère mondial. Partout. On a dit quelques endroits. Partout. D'abord, une question banale. Donc, quand on dit un ministère, les ministères ne peuvent fonctionner partout sauf à l'église. Au contraire, s'il y avait un endroit où pouvait réellement s'exercer le ministère de la parole, c'est où? C'est dans l'église, non? Vous voyez, partout. Donc, les bandes ont un ministère partout. Au marché, on peut faire écouter les bandes. Dans ta chambre, on peut écouter les bandes. Et partout, on peut écouter les bandes, y compris à l'église. Bonhomme a dit partout. Vous dites partout, sauf. Et vous le dites en tant que qui? Et vous cherchez quoi? Donc, pour vous, quand un monsieur, il vient dans ton église, il nous chante des guéguets dans ton église, ça, ce n'est pas du spiritisme. Mais quand on met la bande, la voix de Dieu, là, ça devient du spiritisme. Ah, il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose qui cloche. Elles sont traduites en toutes sortes de langues et tout. Troisième citation. Trois sortes de croyants. Écoutez, frère Branham. Prêché le 24 novembre 63. Paragraphe 165. Chaque personne ici présente, chaque personne qui écoutera cette bande, même si un jour je dois quitter ce monde, ces bandes seront toujours vivantes. C'est vrai. Vous voyez? Donc, frère Branham prophétise que demain je pourrai partir. Mais ne l'oubliez pas. Même si je vous quittais, ces bandes seront du spiritisme. Frère Branham dit, seront toujours vivantes. Vous dites, ce sont du spiritisme. Frère, on doit laisser ce que Branham dit et prendre ce que vous vous dites. Parce que vous êtes grand. Parce que vous avez beaucoup servi le Seigneur. Papa, c'est quoi au juste? Je prends une autre prédication. Le temps de la moisson. Prêché le 12 décembre 64. Paragraphe 351. Écoutez encore, frère Branham. Excusez-moi pour ceci, mais j'aimerais que vous sachiez la vérité. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Vous savez cela. J'ai 55 ans. Mais ces bandes vivront après que je serai parti. Et vous verrez si c'est vrai ou pas. Si je suis un vrai serviteur ou un faux prophète. Ça encore, c'est très sérieux. Dire que mettre les bandes à l'église, c'est du spiritisme, c'est faire de William Branham un faux prophète. Pendant que Branham dit que ça doit aussi s'accomplir. Quoi? Je vous promets, je vous prophétise, après moi, vous verrez les bandes continueront à vivre. Pourquoi? C'est une écriture, mais qu'au jour de la voix. Tu ne fais pas des choses par le plaisir de les faire. Si Dieu avait dit à William d'enregistrer, c'est parce que Dieu savait, selon ce que lui m'avait prophétisé dans Apocalypse 17, que c'est le jour de la voix. Toi, mon prophète, tu ne seras pas longtemps sur la terre, mais les gens doivent rester avec ta voix. D'où enregistre, pour qu'après toi, les gens écoutent ta voix dans les églises. Maintenant, toi, tu viens, tu dis que, oh non, Dieu m'avait donné la commission pour chasser les fausses doctrines, y compris aussi les coups de bas à l'église après William Branham. Ce sont des fausses doctrines. Allez, tchao. Oh, je ne vous ai rien dit qui ne soit arrivé. Ceci arrivera de même. Gloire à Dieu. Ceci est arrivé. Nous sommes là. Nous écoutons les bandes. Joseph Branham met l'accent sur les bandes. Nous sommes là. Branham veut dire ceci va arriver. Et ceci est arrivé.
Votre incrédulité n'arrêtera pas Dieu. Cinquième citation, les solitaires. Vous voyez, je ne fais que vous donner les citations que, et je ne sais pas s'ils voient ça ou pas. Les uns du temps de la fin, prêché le 25 juillet 65, paragraphe 115. Maintenant, prêtez attention à tous ces messages. Les gens ne prêtent pas attention. Et quand vous écouterez la bande, peut-être même que je serai parti un jour, quand le Seigneur n'aura plus besoin de moi ici sur terre. Oui, maintenant le Seigneur n'a plus besoin de William Branham. Vous vous référerez à cela. Écoutez ma voix. Ce que je suis en train de vous dire. S'il me prend avant sa venue, souvenez-vous bien, je vous ai parlé au nom du Seigneur par la parole du Seigneur. Oui. Encore une autre déclaration de foi, Branham. Nous nous obligeons d'écouter sa voix après son départ. Alors, qui est Béka et tant d'autres qui refusent ça? Dernière citation, l'alliance confirmée d'Abraham, prêchée le 18 mars 61, paragraphe 57. Je suis en train de vous dire seulement la vérité. Un jour, vous allez le saisir. Un jour, vous saurez que je vous ai dit la vérité. Ma voix peut se taire. Vous pourrez être amusé de faire taire le corps qui est en train de parler. Mais vous ne pourrez jamais faire taire cette voix. Écoutez. Mais vous ne pourrez jamais faire taire cette voix. Elle vient de Dieu. La voix de William Branham. Voilà pourquoi, comme un prophète, lui seul peut capter, maîtriser, comprendre ce que l'autre prophète a dit. Quand Joseph Branham vient à son tour, il nous dit, quand on dit la voix du septième ange, ça veut dire quoi? La voix de Dieu. C'est pourquoi c'est lui qui est venu avec le nom la voix de Dieu par enregistrement. Végère. C'est lui Joseph. Pourquoi? C'est ce que Branham dit ici. Hein? Ce que Branham dit ici. Il dit, mais vous ne pourrez jamais faire taire cette voix. Elle vient de Dieu. La voix de Branham vient de Dieu. Comment la voix qui vient de Dieu deviendra plus tard du spiritisme? La Bible, c'était la parole de Dieu quand les prophètes en question étaient là. Mais citerai les cas. Alors, jetons les écrits des prophètes parce qu'eux aussi ne sont plus sur la terre. Donc, c'est que le pasteur Baruch, lui-même aussi, le jour où il va mourir, on ne va plus se référer à ses prédications, ça devenait du spiritisme, on ne les mettait plus à l'église. Un jour, en guise de témoignage, où on voulait vérifier ce que les révérends avaient dit, on ne va plus mettre la bande de Baruch à l'église, c'est du spiritisme. C'est comme ça qu'il comprend. Vous voyez? Alors, ils ont lapidé Étienne, mais ils n'ont pas pu arrêter son message. Cela va continuer de l'avant. Ces bandes seront jouées pendant des années après que je sois parti. C'est ainsi dit le Seigneur. Alors, personne ne vient nous dire que non, c'est du spiritisme. C'est faux et archi faux. Les bandes de Frère Branham continueront à être jouées dans les églises. Si quelqu'un refuse, il n'est pas dans la volonté parfaite. Parce qu'on a dit, mais écoutez la voix du septième ange. On n'a pas dit, mais écoutez la voix du pasteur David, mais écoutez la voix du révérend Béka. Mais quand j'ai la voix de tel homme de Dieu, non. On n'a pas dit, mais quand j'ai la voix de Mampassi, non. On a dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange. Nous sommes au jour de la voix de Branham. Par conséquent, de temps en temps, nous les Éphésiens 4, nous devons partager notre chair avec William Branham. Il faut laisser aux enfants de Dieu eux-mêmes d'écouter la voix. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur parce que ce que vous dites aux enfants de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. Alors vous avez peur que si vous laissez les enfants écouter mais la voix, ils vous découvriront que vous êtes faux. Moi, je n'ai pas peur de mettre la bande. Dans mon église, on écoute la bande. Et il continuera à écouter la bande. Et je ne prêcherai jamais plus puissamment que William Branham. Non, c'est faux et archi faux. Un faisant quatre ne peut pas prêcher plus que William Branham. Et les résultats qui seront dégagés de la bande ne seront jamais à comparer à ce qui est dégagé dans mon ministère. Pourquoi? Parce que nous sommes au jour de la voix du septième ange.
voyez, mon frère, donc, ce que Joseph Branham a dit, c'est exactement ce que William Branham a dit. Je viens de vous prouver, rien qu'avec les problèmes de l'écoute des bandes, vous avez vu vous-même, que les révérends Baruti et tant d'autres hommes de Dieu disent que non, voilà, mettre les bandes dans l'église après le départ du prophète, c'est du spiritisme. Pourquoi? En faisant cela, il pensait combattre Joseph Branham. Il pensait coincer Joseph Branham. Donc, pour lui, Joseph Branham est à côté. Au contraire, c'est Joseph Branham qui nous fait réellement exécuter la volonté parfaite. Une personne qui néglige les coups de bas ne sera pas enlevée. Parce que notre préparation est dans la voie. Dieu n'est pas une bête pour dire que pour dire, mais qu'au jour de la voix. C'est parce que Dieu savait, c'est ça réellement qui nous amènera à la perfection. Ça va être votre mot de la fin, pasteur. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Amis et fidèles de 3WGospelCross.net, je vous rejoins la semaine prochaine avec le pasteur David Doutouka. On va parler sur la polygamie. Laissez vos questions sur notre adresse email info@gospelcross.net. On va revenir et parler avec le pasteur. Pasteur, merci beaucoup pour avoir accepté encore une fois notre invitation. Et si vous avez un mot à dire au peuple de Dieu qui va vous suivre dans le monde entier. Ah, le mot à dire est seulement que le message de Frère Branham nous a, par la grâce de Dieu, appris comment se comporter pour ne pas être en dehors de sa volonté. Et toujours le message nous a appris qui est réellement un prophète et quel est son rôle, quel est son impact dans le corps mystique du Christ qui est son Église universelle. Donc, ce que je conseillerais seulement aux bien-aimés est que attention de mépriser un ministère prophétique mineur ou majeur que cela soit. Donc, si vous voulez rester dans la volonté parfaite, regardez un prophète. Ils ont toujours été des guides. Actuellement, c'est lui qui connaît la volonté parfaite, qui connaît exactement ce que Branham a dit ou voulait dire, c'est Joseph Branham. Alors, par conséquent, ou dorénavant, celui qui a écouté cette émission, je lui conseillerais comme ceci. Quand vous voyez Joseph Branham dire quelque chose ou faire quelque chose aveuglément, vous aussi faites ça, allez de l'avant avec ça. N'essayez pas de combattre. Sinon, vous finirez comme Uza. Sinon, vous perdrez votre récompense parce que Dieu n'est pas une bête de nous promettre un prophète après William Branham. C'est pour pouvoir nous garder dans la parole après le départ du prophète. C'est ainsi, Dieu avait dit par William Branham que c'est lui, Joseph, mon fils, qui fera briller la lumière quand je serai parti. Merci beaucoup, pasteur. Amis et fidèles de 3WGospelCross.net, je vous retrouve la semaine prochaine. Moi, c'est Trésor Baya. Merci à l'équipe technique qui m'a soutenu aujourd'hui. Merci au manager de Gospel Cross. Merci à tous nos frères et sœurs qui nous ont suivis dans le monde entier. Pour ne rien louper sur ce qui se passe sur notre chaîne YouTube et sur notre site 3WGospelCross.net, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup et je vous rejoins la semaine prochaine. Au revoir. Destroy this temple, Jesus said, and I will rebuild it in 3 days. Yes, he was showing none is greater than him when it comes to construct.